Bienvenue à chacun aussi ceux qui sont là peut-être pour la première fois ou euh, une première fois que chacun se sente accueilli. Ce matin, j'aimerais parler, comme vous le voyez, de la présence de Dieu dans nos vies. Ça tombe bien, week-end de Pentecôte. Je pense que c'est bon de faire un petit rappel aussi. On a vu différents dimanches précédents aussi. Euh, comment cette série sur comment vaincre un géant, avoir une vie inspirante, etc. Vous pouvez tout retrouver. Ces messages aussi ceux qui ont été donnés par d'autres personnes, notamment Isabelle Motier dimanche passé, ça vaut la peine d'être aussi en phase avec ce qui est partagé et notamment s'il si y a des, des belles richesses. On est le dimanche de Pentecôte. Pour certains Yuppies, c'est congé lundi, euh, pour d'autres euh, pas. Mais au-delà du jour de congé ou pas, je crois qu'on a cette, ce, ce plaisir de ce se souvenir et eh bien de de cette effusion du, du Saint-Esprit. Et le cœur de l'Église, eh on, on s'en rappelle peut-être un petit peu plus le jour de Pentecôte encore, eh bien c'est la présence de Dieu. Ça devrait être cette présence de Dieu manifestée. On l'a vécu aussi dans ce temps de louange. J'espère que vous aurez été touchés, bénis, impactés aussi par cette présence de Dieu. Une présence aussi qui nous libère, qui nous encourage, qui nous fortifie. Imaginez ce texte que j'ai lu en introduction du culte, les 120 qui étaient réunis dans cette chambre haute à la Pentecôte, 120 qui attendaient et d'un coup, boum, il y a le Saint-Esprit qui les visite. Mais imaginez que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, il y a eu ce, ce temps de persévérance, il y a eu un jour qui s'est passé. Un jour, et puis ils se disent Bon, ben voilà, il va falloir peut-être aller bosser maintenant, on a faim. Deux jours, trois jours, puis certains, j'imagine, commencent à dire Mais bon, est-ce que vraiment on doit continuer d'être comme ça Quatre jours, cinq, dix jours, jusqu'à dix jours de persévérance, et ça peut paraître long à 120 personnes, et peut-être plus, c'est dit environ 120 personnes. Et là, le Saint-Esprit est venu. Parce qu'ils étaient tous ensemble, dans un même but, un même objectif aussi, d'entendre le Seigneur, de le voir agir et de recevoir ce que le Seigneur avait promis. Qu'est-ce que le Seigneur vous a promis aussi De quoi ta vie a-t-elle soif Dans le Vita Bible Hebdo que j'ai transmis cette semaine pour ceux qui le reçoivent, ceux qui ne le reçoivent pas, vous pouvez me le dire et je vous note sur ce petit groupe WhatsApp aussi, dans Naoum 1.13. Il est écrit, maintenant je vous libère du joug ennemi, je brise vos chaînes. Je vous libère. Qu'est-ce qu'un joug C'est cette partie d'un harnais qu'on met autour d'un cou d'un animal ou peut-être d'un être humain lorsqu'il est esclave pour lui permettre de porter ou de tirer un lourd fardeau. C'est le symbole de l'esclavage, de la servitude, de l'oppression. Il oblige aussi eh d'avoir la tête penchée, la tête en bas. Un joug, un joug. Si bien, eh bien qu'on peut voir que la terre qui est voilà, sous nos pieds et jamais aucun but distant qui est là, qu'on qu qu peut voir aucun avenir. Les Assyriens, parce qu'il est parlé des Assyriens dans ce texte, les Assyriens ont pu quelque temps opprimer le peuple de Dieu, mais leur puissance devait être brisée. Cette puissance était appelée à être brisée. Et c'est ce que ce texte Naouman 13 nous dit. Bien des cœurs peuvent être tenus dans l'asservissement par Satan, bien des personnes peuvent être comme bloquées, paralysées par un joug. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tu, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Un petit peu comme, euh, pardonnez-moi la, la comparaison, mais comme quand on tient un chien en laisse, euh, c'est laisse, euh, voilà. Euh, avec un rouleur, il va un bout, puis tout à coup pff, on le retire et ça se renroule et peut pas aller plus loin. Et parfois on est un petit peu comme ça, on est, on est comme tenu par des chaînes qui nous maintiennent dans cet esclavage. Et c'est pour eux que le Seigneur proclame cette parole d'espérance. Il va dire maintenant je vous libère du joug ennemi, je brise vos chaînes. Le Seigneur te dit ce matin, qui que tu sois, vois, je brise. Des chaînes. Et cette délivrance qu'il annonce est complète parce que le joug sera pas mais brisé. Il est brisé. Les chaînes ne seront pas desserrées mais rompues. Mes amis, on a besoin de cette onction du Saint-Esprit pour briser ce joug. On a besoin de se laisser remplir. Aujourd'hui, le monde va vous proposer de faire le vide, de. Peut-être même des, des pratiques comme ça de, de faire le vide et on va prendre le contrôle de vous, mais ce n'est pas du tout de ça qu'il est parlé et fait mention dans la parole de Dieu. Il est parlé de se laisser remplir du Saint-Esprit, d'être rempli, de la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est là dans une vie, eh bien tout le reste est appelé à, à, à faire de la place parce qu'on ne peut pas être plus plein que plein. Ce n'est pas possible. Mes amis, sans cette onction, eh bien, on reste dans cette médiocrité d'une vie qui, qui avance pas. Vous pouvez faire toutes les, prendre toutes les résolutions que vous voulez, vous pouvez faire tous les vœux à Dieu que vous voulez, mais rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit dans votre cœur et votre vie apportera ce dont vous avez besoin. On peut prendre toutes ces résolutions. Seigneur, viens à mon secours, puis hop, tu te rends coubles. Beaucoup d'hommes et de femmes essayent de se délivrer par eux-mêmes d'un péché secret. Cependant, eh bien, c'est impossible parce que seul Dieu peut apporter une véritable libération. Lorsqu'on y va par nos propres efforts, eh bien, bien souvent on est frustré, bien souvent on est déçu parce qu'encore une fois, Seigneur, encore une fois, j'ai pas réussi. Mais là, ce que je vous propose de, de voir. Ce matin, eh bien c'est cette détermination qu'il nous faut. Deuxième chose qu'on verra, c'est ce désir, cette soif, qui finalement, et eh bien, nous conduit à la bénédiction. Mais prenons le texte du psaume 63, une partie de ce psaume, psaume 63, merveilleux texte, ça sera vraiment aussi le, le centre de, de mon message, qui nous parle de cette présence de Dieu dans notre vie, qui est indispensable. Un psaume de David. Quand il était dans le désert de Juda, ô oh Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Oui, longtemps j'ai été regardé dans le lieu saint. J'ai vu ta puissance et ta gloire. Imaginez c'est David qui dit ça, le grand David qui écrit tous ces psaumes et David va reconnaître eh bien qu'il est comme une terre desséchée. Est-ce que ce matin, on reconnaît aussi qu'on a besoin d'être rempli, d'être imbibé du Saint-Esprit Oui, longtemps, je t'ai regardé dans le lieu saint, j'ai vu ta puissance. Et un peu plus loin, verset 4, ton amour vaut mieux que la vie, ma bouche chantera ta louange. Toute ma vie, je te dirai merci, je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse, ma bouche pleine de joie chantera ta louange. C'est ça c'est vers ça que, que nous dirige eh bien, cette présence de Dieu. Ton amour vaut mieux que la vie. Lorsqu'on est dans cette attente, dans cette présence de Dieu, eh bien, on se rend compte que tout le reste perd de l'importance. Verset 7. Quand je suis couché, je me souviens de toi pendant des heures, je pense à toi. Oui, tu viens à mon aide. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta, ta main puissante me soutient. Cet attachement, cet attachement, cette soif. Imaginez les 120. On revient à ce texte d'actes 1 et 2. Les 120 qui étaient déterminés, ils avaient soif. J'aime bien raconter quelques histoires, illustrations. J'en ai fait... Euh, pour illustrer mes, mes messages. Et maintenant, c'est rigolo, on, on me propose des thèmes. Alors, ça, ça m'allait bien parce que je n'avais pas trouvé d'illustration encore. Savez-vous que 75% des Français, je n'ai pas trouvé les statistiques suivantes, désolé, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est pareil, ne s'hydratent pas suffisamment. Ils ne boivent pas assez. Alors, attention à la forme du liquide ou à la sorte de liquide. Le corps se déshydrate bien plus vite qu'on a tendance à le penser, à penser ou à ressentir même. Et lorsqu'on n'est pas suffisamment hydraté, eh bien on met notre santé en danger, on profite pas des avantages d'une bonne hydratation. Et pour boire, il faut la sensation de la soif. Il y a ce proverbe populaire qui dit on fait pas boire un âne qui n'a qu pas soif. La sensation de soif survient lorsque l'organisme est déshydraté. Et c'est le stade initial de la déshydratation. La salive est produite en moindre quantité, la bouche devient plus sèche. Oui, on va venir à la salive parce qu'on m'a demandé de parler de la salive. On oublie souvent, mais l'eau constitue à peu près 60% du poids de notre corps. Alors ne cherchez pas à perdre trop d'eau. Pour maigrir, voilà, il y a l'attraction terrestre ou enfin d'autres choses qui peuvent jouer en ligne de compte. Mais perdre de l'eau, ça peut être dangereux. Au quotidien, dans les cas classiques, il est important de boire. On nous dit un litre et demi de liquide d'eau, infusion, thé. On monte à deux litres dans des cas particuliers, grossesse, ça ne m'est jamais arrivé, sport intense. <rires> <rires> Mais les conséquences du manque d'eau. Eh bien, c'est une baisse d'énergie et de concentration. On estime qu'en cas de déshydratation légère, perte de 1% d'eau, ce n'est pas grand-chose, hein, 1% d'eau, il y a un léger état de fatigue qui peut déjà être ressenti. Le corps, le cerveau, serait moins performant, le travail moins précis. Certaines études ont montré qu'une déshydratation légère double le risque de commettre des erreurs. Et en plus, ça crée des maux de tête, des crampes, il y a des signes cutanés, peau sèche, tiraillement de la peau. Alors si par exemple ce matin, eh bien, vous sentez une sensation de tiraillement, je ne sais pas si quelqu'un a une sensation de tiraillement, un autre, il y a trois choses, la peau rêche au toucher, touchez votre peau, je ne sais pas comment est-ce qu'elle est rêche au toucher. Et maintenant, vous vous pincez, pas pour voir si vous rêvez. Vous pincez puis vous lâchez puis si vous voyez encore le pli, c'est que vous êtes déjà dans un état de déshydratation. C'est juste, c'est juste. Entre les deux doigts. Et tous ces signes, eh bien doivent vous alerter. Le premier symptôme de la déshydratation, quand la soif se manifeste pas, eh bien, peut être une perte d'appétit inexpliquée. Là encore, ce c'est pas le bon moyen de maigrir pour dire bah, « je vais perdre l'appétit, donc je bois pas ». Non, buvez, mettez de l'eau. Une sensation de fatigue importante, dans certains cas des somnolences et même de la fièvre, en étant déshydraté. Incroyable Dernièrement, on m'a posé la question donc sur le rôle de la salive, et on va y venir. Chacun possède trois paires de glandes salivaires principales qui sécrètent en moyenne, et j'ai été estomaqué un litre à un litre et demi d'eau par jour. Penser aux pauvres dentistes. La salive est composée à 98-99% d'eau et à 0,5% de protéines, d'une multitude d'ions minéraux, de calcium fluor, de phosphate, etc. Et ces proportions varient d'un individu à l'autre en fonction du stress, du tabagisme, des cycles hormonaux, d'un éventuel défaut de fonctionnement des glandes salivaires. En plus du confort. Bucal que procure la salive. Celle-ci est notre meilleur allié contre les caries. Je pense qu'avec toutes les caries que je me suis collées dans, dans ma vie, eh bien, ça marche pas chez moi. Ou alors j'ai pas assez de salive, j'en sais rien. Mais il semble que c'est le meilleur allié contre les caries dentaires, l'infection des muqueuses buccales, orales. La salive est une précieuse alliée aussi pour la santé de notre bouche, avec des multiples rôles. Elle lubrifie les surfaces buccales. Ce qui permet de parler avec aisance, de mâcher sans euh, se blesser, sans se mordre. La salive facilite la digestion des aliments grâce aux enzymes et aux amylases salivaires qu'elle contient. Et cette première digestion est une des raisons pour lesquelles il est indispensable de mâcher suffisamment les aliments. C'est pour ça qu'on dit Mais mâche, prends le temps, il n'y a pas le feu. Hein, Philippe, <laughs> Le travail du, du reste du tube digestif aussi s'en trouve facilité. Donc si vous avez de la peine à digérer, mâchez plus lentement. Même si euh, vous voyez tous les autres qui ont fini leurs assiettes, continuez de mâcher suffisamment lentement. Et vous verrez, oh, il paraît qu'on mange moins. Je n'ai pas encore réussi ce truc-là, mais euh, voilà. La salive est dotée d'un pouvoir aussi cicatrisant sur les plaies internes provoquées notamment par la mastication. Alors je vous rassure tout de suite. Je facture pas cette consultation. <laughs> la salive aussi contient certaines protéines capables de détruire les micro-organismes étrangers, diminuer le risque de candidose. Alors dit plus couramment pour les bébés, c'est le muguet, voilà, ou les mycoses dans la bouche, c'est dégueu, enfin je... les champignons Notamment, la salive neutralise l'acide produite par les plaques dentaires grâce au bicarbonate, phosphate, etc., l'urée qui la compose, et c'est le pouvoir tampon. Incroyable, hein Vous imaginez qu'il y avait tout ça dans votre salive Ça aide à reminéraliser l'émail aussi des dents grâce aux ions qu'elle contient, calcium, phosphate, fluorure, etc. Il faut savoir qu'en salive plus debout ou couché, moins assis, plus en hiver qu'en été et très peu la nuit. Le débit salivaire moyen, comme j'ai dit, d'un adulte, c'est d'environ 1 litre, 1 litre et demi par jour. Waouh La folie. Attention, par échange de salive, on peut transmettre ces bactéries, notamment celles qui sont responsables des caries dentaires. <laughs> Tirez-en les conclusions que vous voulez. Le flux salivaire... Peut parfois diminuer, soit à cause de certaines maladies, soit lors de prises de médicaments tels que les antihistaminiques. J'ai parlé de ça, des chocs anaphylactiques, etc., lors d'un précédent message. Des antidépresseurs aussi, soit à la suite d'une irradiation des glandes salivaires par radiothérapie de la tête et du cou. Le manque de salive donne une bouche, une langue pâteuse. On a du mal à s'exprimer, à avaler, et une infection des muqueuses peut survenir, ainsi que des caries. Ça va ouais. Je facture rien. Mais c'est là qu'on arrive à 7. parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venus ce matin. Mais je trouvais intéressant aussi, et eh bien, de voir comment le corps humain est bien fait, et spirituellement, et eh bien, on peut trouver. Des liens. Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est la Pâque. Jésus debout s'écria :« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, détermination. Détermination, désir. Si quelqu'un a soif, être déterminé, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y a cette bénédiction qui vient sur notre vie. Dans Matthieu 6, un texte un petit peu similaire qui dit Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, toi, quand tu pries, faites bien attention à cette phrase, elle est assez perturbante. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Attends, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ça veut dire qu'on peut faire d'autres choses quand on prie. Peut-être qu'il pensait déjà à toutes les notifications Facebook, WhatsApp, TikTok, etc. Quand tu pries, bah prie quoi. Ouais, Être déterminé, déterminé. Quand tu pries, prie. Ton père qui est dans le lieu secret, ton père qui voit te le rendra cette bénédiction. Détermination, désir, bénédiction. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors quand vous priez, c'est important de fermer la porte à tout le reste. Détermination, c'est mon point. On le voit dans ce texte, pour avoir soif de Dieu, il faut être déterminé. Entre dans ta chambre. Ça veut dire qu'il faut quitter un autre endroit pour vraiment être présent. Pour le Seigneur, entre dans ta chambre, ferme la porte, ferme ton attel, ferme tes notifications, ferme ton téléphone, ferme tes mails. On l'a vu dans le psaume 63 que j'ai lu au début, on a vu que David va dire Ô oh Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, je te cherche. Il y a un effort à faire, je te cherche, j'ai envie de ta présence, je te cherche, mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi comme une terre sèche, assoiffée, desséchée. Sans eau, c'est dit, assoiffée, sans eau. Lorsque vous êtes dans le désert, il y a des rendez-vous précieux, mes amis. Lorsqu'on a soif, j'ai soif de toi, Seigneur. Je suis déterminé, Seigneur, j'ai connu, mais, mais j'ai soif, je suis sec. Et c'est David, le grand David qui a écrit tous ces psaumes, qui va dire ça. Au psaume 143, verset 6, David va encore dire, je lève les mains vers toi, je suis devant toi comme une terre qui manque d'eau. Il reconnaît qu'il a, il a soif, il est déterminé, j'ai besoin, je lève les mains vers toi, Seigneur, je veux ta présence. Deuxième chose qu'on voit, c'est ce désir, cette soif. Le cœur de l'Église et de la vie chrétienne, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Parfois, la soif manque, comme j'ai dit, parce que notre vie est encombrée par tellement d'autres choses. Vous connaissez ce psaume 41 qui est repris dans un merveilleux chant aussi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Comme une biche soupire après des courants d'eau. Je sais pas comment une biche soupire. En tout cas, j'imagine qu'elle a soif. Et il y a ces, ces images, ces illustrations dans la Bible qui nous, qui nous montrent eh qu'on a besoin d'avoir cette eau fraîche. Pas une eau stagnante, mais des courants d'eau, une eau fraîche. L'absence, la présence de Dieu devrait créer une détresse dans nos vies et dans l'Église. On peut faire plein de choses pour Dieu, on peut être très actif pour Dieu. Mais il peut nous manquer l'essentiel. Il peut nous manquer l'essentiel. Trop de chrétiens font des choses pour Dieu sans la présence de Dieu. Mieux vaut rester sur place que d'agir sans la présence de Dieu. On peut faire plein d'œuvres, de... on peut passer notre vie entière, nos nuits entières, nos journées entières à faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. Est-ce que l'absence, la présence de Dieu crée une détresse dans nos vies, cette soif Moi, quand j'ai soif, je suis de mauvaise humeur. Malheureusement, ça n'arrive pas que quand j'ai soif. Mais euh... <laughs> parce qu'il nous manque quelque chose, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Si la présence de Dieu vous manque, il faut retourner là où vous l'avez laissé. Être déterminé, déterminé ce désir, cette soif. Seigneur, je veux, je me, je me rends compte que je suis cette terre aride, desséchée, comme on l'a lu dans ces différents textes. Et finalement, lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on a ce désir, cette soif, eh bien, cette recherche de Dieu, on arrive à cette bénédiction qu'on trouve aussi dans, dans le verset 6 de Matthieu 6, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Te le rendra. On ne sait pas, c'est pas dit. Tu seras béni, machin. Tu auras, euh, tu vas gagner. Euh. Non, mais ton père te le rendra. L'encore, c'est lui qui choisit comment il nous le rend. C'est pas à nous de lui dire, Seigneur, si je suis béni, c'est ça et rien d'autre. Non, ton père te le rendra. C'est sobre, hein C'est soft, hein Azaf Asaph va dire au psaume 73 et au verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'éternel afin de raconter toutes tes œuvres. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Beaucoup de personnes cherchent Dieu pour la bénédiction. Est-ce qu'on désire Dieu pour Dieu Est-ce qu'on veut juste Dieu pour Dieu, sa présence Ce matin, je viens l'adorer, je viens le bénir. Je ne loupais aucun instant de la louange et de l'adoration parce que j'ai envie de cette bénédiction. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est pas juste pour meubler la première partie du culte, mais c'est vraiment m'approcher de Dieu aussi avec des frères et sœurs. Comme ces disciples à la Pentecôte qui étaient tous ensemble à, pendant dix jours, ils ont été tous ensemble dans un même lieu, 120. Il devait faire chaud, il devait y avoir le découragement, il devait y avoir la fatigue, il devait y avoir, j'en sais rien. Ceux qui avaient envie, ceux qui n'avaient peut-être pas envie, la Bible ne nous, nous dit rien, mais ils étaient là dans un même lieu déterminé. Déterminés, et ils sont restés. Psaume 63 envoie David être déterminé. David, c'est le psaume que je vous ai lu au tout début. Mon cœur a soif de toi. Il est déterminé. Il a ce désir, cette soif. Et finalement, toute ma vie, je te dirai merci, je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse. Ma bouche pleine de joie chantera ta louange. Voilà ce que produit la soif de Dieu, cette recherche de Dieu, cette détermination. Toute ma vie, je te dirai merci. Un cœur reconnaissant, combien même peut-être des circonstances peuvent être défavorables. Et c'est là qu'on revient aussi à Naoum. 13, qui nous dit, Maintenant, je vous libère du joug ennemi, je brise vos chaînes. Et dans Matthieu 6, on a vu aussi cette détermination. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Mes amis, on a besoin de l'onction du Saint-Esprit pour briser ce joug d'une vie non engagée. Vous pouvez faire toutes les prendre toutes les résolutions que vous voulez, vous pouvez faire tous les voeux à Dieu que vous voulez, mais rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit dans votre cœur, votre vie apportera la victoire dont vous avez besoin. Vous pouvez courir tous les séminaires du monde, vous pouvez écouter tous les messages du monde, les meilleurs orateurs de la planète qui réunissent des foules mais si, si vous recherchez pas Dieu de tout votre cœur, pas des messages, pas l'onction du prédicateur trucmuche. Mais la puissance de Dieu, sa présence, alors que tu, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit dans votre cœur, votre vie apportera la victoire dont vous avez besoin. S'il n'y a pas cette recherche de Dieu, le, le McDo spirituel, ça marche jamais. Ça marche jamais. Rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit dans votre cœur, votre vie apportera la victoire dont vous avez besoin. Beaucoup d'hommes, de femmes essayent de se délivrer par eux-mêmes d'un péché secret, mais c'est impossible parce que seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Seul l'Esprit de Dieu peut apporter une véritable libération, alors que Dieu nous guide par sa parole, par son esprit. Et il y a cette promesse, quand tu appelleras, c'est dans Ésaïe 58, verset 9, quand tu appelleras... Le Seigneur te répondra, quand tu demanderas de l'aide, il te dira ⁇ J'arrive !⁇ J'aime bien ce verset. Lisez-le, ça se trouve dans la Bible. C'est un chouette bouquin à lire. Vivre sans manger, c'est possible pendant plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours, à la condition toutefois de continuer de boire de l'eau. Ça vous fait saliver, vous avez soif, il y a des bouteilles d'eau à la fin si jamais où vous pouvez aller en prendre. Parce que sans apport hydrique, notre corps ne peut pas espérer survivre plus de trois jours. L'eau, comme l'un des principaux constituants du corps humain, à hauteur d'environ 60%, comme je l'ai dit, est donc encore plus indispensable à notre vie que la nourriture. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, la présence de Dieu dans ta vie. Peut-être tu vas écouter un message, ah c'était bien, ah, le prédicateur fantastique. Mais si ça ne te pousse pas à genoux, dans la présence de Dieu, chaque prédicateur dira, j'ai loupé, j'ai loupé. J'ai loupé. Cette soif. J'espère que votre soif augmente. Dans Ephésiens 5, il est dit ⁇ Ne vous enivrez pas de vin ⁇ Ça, c'est pour tempérer tout ce que j'ai dit avant qu'il fallait bien boire. Hein. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. C'est un présent actif. Ils auraient dû traduire ⁇ Mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ⁇ Ce n'est pas le truc où tu peux cocher ⁇ C'est fait ⁇ C'est accompli, je l'ai fait. Un jour, il y a 25 ans, 30 ans... Euh, j'ai été touché par le Saint-Esprit dans une réunion, c'était merveilleux. Il y avait Tout le monde était pleurait, était à genoux. Il y en a qui tombaient là. Comme C'est super ce que vous avez vu il y a, vécu il y a 25-30 ans, ou même il y a deux ans en arrière. Mais ce n'est pas suffisant. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est ce qu'on a fait ce matin aussi. Et ça nous encourage à connaître ces chants et à les chanter aussi tout au long de nos semaines, tout au long de ces journées, chanter, célébrer le Seigneur, hein, en écoutant ce que les autres chantent. Ah non, de tout votre cœur, de tout votre cœur, rendez toujours grâce pour toi Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'entretenir, avoir soif, avoir envie, l'adorer. L'adorer, la présence de Dieu dans ta vie. On peut avoir la meilleure équipe de louanges. Mais si nous-mêmes ça ne nous pousse pas à adorer le Seigneur, là encore, le résultat est, est que Pouic hein. est faible, on aura passé un bon moment. Mais si cette louange nous, nous donne envie, nous donne soif de boire encore hein, à ce torrent d'eau fraîche, c'est juste incroyable et merveilleux. Gloire à Dieu. Ah, J'aimerais faire un appel ce matin vraiment pour... Euh, il y a eu différentes paroles qui ont été données ce matin, différentes prières qui sont là et je crois que le Seigneur veut vraiment nous toucher, nous rejoindre aussi au travers de ce message que j'ai eu à cœur de vous transmettre, cette présence de Dieu dans notre vie. Pas juste que vous veniez écouter un message et que vous donnez... Une appréciation, c'était bien, ça m'a plu, il a bien parlé. Ça encourage, et on a besoin d'être encouragé, de, ou que la louange était bien, ça, ça encourage, on a besoin aussi de ces, ces marques d'appréciation, de bénédiction, et, et l'encouragement, la bénédiction fait partie aussi des, des valeurs chrétiennes. Mais pas juste que, que ça, ça vous ait plu. Vous dites, mais comment est-ce que le Seigneur veut me défier Est-ce que j'ai vraiment cette soif Est-ce que je soupire après ces courants d'eau Est-ce que j'ai vraiment cette, cette envie eh bien, de, Comme David qui disait au psaume 63, Mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi comme une eau sèche, assoiffée, sans eau. Recherchez cette présence de Dieu. Recherchez cette plénitude. Cette plénitude du Saint-Esprit, pas juste savoir que ça existe, pas juste savoir qu'on a été touché un jour, mais la rechercher. En avoir besoin, en avoir envie. Seigneur, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci, Seigneur, pour ce temps de culte qu'on a pu passer ensemble dans ta présence. Merci Seigneur pour ton réconfort. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore tu nous rappelles que tu veux briser nos chaînes. Aujourd'hui encore, tu nous rappelles qu'on a besoin d'avoir soif. Aujourd'hui encore, tu nous dis Seigneur que l'essentiel c'est ta présence. C'est pas juste de faire, de faire et de faire encore. Mais c'est d'être rempli de ton esprit. Seigneur, merci. Merci de nous visiter tous et toutes, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu nous aimes. Et Seigneur, tu es aussi celui qui nous guérit. Gloire et louange à ton saint nom Jésus. Amen.